Voilà, peuple de Dieu, je bénis vraiment le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un très grand jour parce que la Bible nous dit que lorsqu'un seul pécheur se repent et emprunte la voie du ciel, la voie de repentance, c'est tout le ciel qui se met en joie. Aujourd'hui, je vous présente vraiment ce foyer qui est en réalité un foyer de serviteur. Alléluia, mon bien-aimé, il s'appelle... Et le frère Israël, et donc le Seigneur l'utilise déjà, mais il n'était pas vraiment dans la sainte doctrine, il ne connaît pas grand chose de la sanctification. Donc le Seigneur l'a mis en contact avec nous, et nous avons travaillé, nous avons vraiment présenté la sanctification, le dépouillement et tout ça, et il est convaincu. Et sa femme aussi est vraiment touchée, sa femme aussi est convaincue. Et comme la parole nous demande de poser des actes dignes de repentance, eh bien, elle n'a pas tardé directement. Elle est rentrée dans sa chambre et elle est allée chercher le peu d'accoutrement. Elle n'était pas trop friand des ornements. Donc le peu qu'elle a, les parures et tout ça là, les mèches, les faux cheveux, elle est allée ramasser ça et elle a tout remis, voilà, avec des chaînes, voilà, des choses qui lui coûteraient important, cher, mais elle a décidé de remettre tout ça là pour être brûlée. Même le petit bout d'oreille qu'elle a dans ses oreilles, elle a enlevé ça pour que ça soit brûlé. Ce qui veut dire qu'elle accepte, hein, elle et son mari acceptent vraiment emprunter la voie de la sanctification corps, âme et esprit. Donc, c'est un grand jour pour nous. Alléluia. C'est un grand jour pour nous. Voyez, notre bien-aimé travaille ici. Et je sais que le Seigneur, vraiment, par ce geste-là, va encore faire de grandes choses. Amen. Dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur demande. Si vous entendez la voix de la vérité, n'endurcissez point vos cœurs, n'endurcissez point vos cœurs, mais acceptez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alléluia. Donc, nous allons brûler ça. Seigneur Jésus, Dieu très très saint, Papa, je prie que tout esprit de Jézabel, tout esprit de sirène, tout démon, derrière ces accoutrements, venu tout droit du monde de l'enfer, Seigneur, je prie maintenant que ces démons soient consumés par le feu dévorant. Amen. Que les sirènes qui ont emprunté ce canard, Seigneur, je prie maintenant. Ce cadavre pour entrer dans sa vie, tous ces serpents soient égorgés de la tête. Seigneur Jésus, chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Ta paix, ta joie, ta bénédiction abonde dans sa vie, amen, dans son foyer, amen. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, amen. J'ai prié, amen, amen. Amen. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Voilà. Je vais te louer. Je vais te magnifier. Je vais t'exalter. Je vais te dire gloire. Alléluia.
Gloire. Alléluia. Gloire. Alléluia. Tu as commencé dans la vie de ton fils, de ton serviteur et de sa femme, dans la vie de ce foyer. Papa, tu vas transformer ce qui n'existe pas en ce qui existe. Amen. Seigneur, pour ce réveil, Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, amène de nouveaux ouvriers. Amen. Et tu es en train de les amener. Amen. Seigneur, je te dis gloire. Alléluia. Papa, en ce moment même, Seigneur, tu déclenches de nouvelles situations dans sa vie. Amen. Tu déclenches de nouvelles choses dans sa vie. Amen. Papa, tous ceux qui viennent voir sa condition voient désormais que tout a changé. Amen. Seigneur, tous ceux qui entendent des mauvaises nouvelles de sa part entendent désormais des bonnes nouvelles. Alléluia. Rien que des bonnes nouvelles. Amen. La misère s'est transformée en bénédiction. Lave-moi dans le sang de ta gloire. Je d'Isaac, Dieu de Jacob, celui qui s'est présenté à Moïse dans le buisson Adam. Tu t'es présenté comme je suis parce que tu es le présent, tu es le passé et tu es le futur.
Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu es descendu dans ce foyer. Amen. Tu es descendu dans cette maison. Amen. Pour changer les choses. Amen. Pour corriger les choses. Amen. Pour restaurer les choses. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu vas faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Amen. Ne le savez-vous pas? Ça vient. Amen. Et c'est arrivé. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu m'as forcé à venir ici. Amen. Parce que je ne voulais plus aucune collaboration. Amen. Mais tu m'as dit, ce n'est pas de la collaboration. Amen. Mais c'est parce que tu es là. Amen. Seigneur, je suis venu. Et j'ai écouté les paroles de ton serviteur. Il a proclamé de marcher avec moi sur le chemin que tu m'as tracé. Et il a promis de rester fidèle. Pas à moi, mais à toi. Parce que c'est toi qui es devant ce réveil. Ce réveil ne porte pas mon nom. Mais ça porte ton nom. C'est pour ça que ça porte le sceau de la sainteté. Si quelqu'un ne marche pas dans la sainteté, tu ne le connais pas. Ton serviteur, il s'est engagé solennellement devant les anges, devant ton trône, même devant le monde des ténèbres. Il a proclamé. Il a prêté serment pour la vérité. Il a prêté serment pour la sainteté. Il a prêté serment pour l'humilité. Pour la fidélité. Pour l'intégrité. Seigneur, je scelle ces paroles. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Et je proclame que cela soit écrit dans le livre. Amen. De souvenirs au ciel. Amen. Seigneur, s'il arrive que son cœur veut se détourner de toi à cause de la gloire que tu vas lui donner, Seigneur, donne ainsi. Je reçois. Seigneur, ce que tu veux lui faire, je ne suis qu'un instrument que tu veux utiliser. Si trahir quelqu'un, ce n'est pas moi, c'est toi. Seigneur Jésus, papa, si son cœur veut devenir moi, donne-lui un signe terrible d'avertissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Grand Dieu, grand roi, quand tu vas l'élever et il tentera de se séparer de sa femme. Seigneur, donne-lui un avertissement terrible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je reçois. Au nom de Jésus. Seigneur, quand tu vas le lever et il tentera de retourner à ses vomis et faire le jeu des faux serviteurs. Au nom de Jésus. Des faux pasteurs. Au nom de Jésus-Christ. Donne-lui un avertissement terrible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, hein? Tu es Dieu de fidélité. Amen. Tu es Dieu intègre. Amen. Tu es Dieu saint. Amen. Rien de souillé ne peut tenir devant toi. Amen. Alors je prie. Cette maison soit consacrée. Amen. Amen. Seigneur, je prie que ce lieu soit consacré. Amen. Que le ciel s'ouvre. Amen. Sur ce lieu. Amen. Papa, tout ce qui appartient à Satan dans la vie de tes enfants, que tes anges ramassent tout cela. Amen. Et les brûlent. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus,
Je consacre cette maison. Amen. Je consacre cette chambre. Amen. Je consacre leur lit. Amen. Je consacre leur douche. Amen. Je consacre leur cuisine. Amen. Je consacre tout ce qui est dans cette maison. Au nom de Jésus. Je consacre leur vie par ton sang. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Amen. Tout ce qui est ténèbre dans ce lieu reçoit la lumière. Amen. Tout ce qui est caché dans cette maison soit exposé. Amen. Seigneur Jésus, grand et grand. Il y a longtemps que tu fais alliance avec les hommes à cause de la trahison. Mais aujourd'hui, tu fais alliance avec cette maison. Amen. Alliance sur la vérité. Amen. Alliance sur la sainteté. Amen. Seigneur, donne-leur le cœur de rester fidèle dans cette alliance. Amen. Parce que tu me dis, tu veux faire quelque chose de grand. Amen. Mais c'est ton nom qui devra être glorifié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand homme. Papa, sème dans le cœur de tes enfants. Amen. L'amour de Amen. Ta parole. L'amour de la sainteté. Amen. L'amour pour les choses du ciel. Papa. Seigneur Jésus. Papa. Papa. Tu m'as dit que tu vas mettre sur mon chemin tes collaborateurs intègres. Parce que la vision est très grande. Qui suis-je pour porter le monde sur mes épaules? Je ne peux pas. Mais tu m'as dit, tu vas amener les gens pour me soutenir. Et à chaque moment, tu amènes. Seigneur Jésus, que ce moment soit marqué dans les agendas du ciel. Amen. Grand Dieu, grand Père, il a accepté de passer par tous les processus pour montrer Papa. Qu'il est décidé, Amen. Qu'il est engagé du côté de la vérité. Amen. Alors, Seigneur Jésus, Papa. Écris son nom dans le livre de Jésus. Amen. Écris le nom de sa femme, de toute sa famille dans le livre de Dieu. Amen. Écris le nom de tous ses enfants dans le livre de Dieu. Amen. Papa, plus il va s'humilier, plus son onction sera. Au nom de Jésus. Plus il s'humilie encore, plus l'onction va se multiplier. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu fais de sa femme une guerrière. C'est ce que tu me dis. Un combattant. Une amazone de prière. Seigneur, tu l'équipes. Amen. Seigneur, tu l'équipes. Amen. De connaissance. Amen. De sagesse. Amen. D'humilité. Amen. Seigneur, tu commences quelque chose dès aujourd'hui. Et ça va se poursuivre. Seigneur, bientôt la trompette va sonner. Papa, aucun de tes enfants ne va pousser. Amen. Soutiens-les dans la marche. Amen. Les brebis, avec qui ils travaillent déjà. Seigneur, la manière dont nous allons travailler ces brebis pour qu'ils deviennent vraiment des disciples pour le ciel. Oriente-nous. Amen. Soutiens-nous, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de nous. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup. Ah.